Absurde, Pokémon Ultra Soleil en random. Donc on va commencer l'aventure de ce poids. Donc alors hop. On va mettre en français. Je peux pas juste chat de mon live. Donc ok. Alors. Vas-y, moi je vais en chino. Alors hop, français. Je regarde si on entend bien le son du jeu. Attendez. Ok, ça a l'air pas mal. Toc. Toc. Bon, allez, on est parti. Ouais. J'ai parti. Paramètres ont été sauvegardés. Attendez, je me mets juste en plein écran. Oh, ça fait longtemps. Alors ça commence à se faire. Faut pas que tu parles. Bonjour, bonjour. Alors tu t'es prêt pour ton grand déménagement à là. Waouh. OMG. Oh putain, y'a tout le monde. Allez, c'est une région composée de plusieurs îles, on a acheté pas ensemble. C'est peut-être pour ça qu'on a tout un de Pokémon région. Et voilà. Allez, là, on a tout un de Pokémon dans la ville. Le son du jeu un peu fort. Ah. Attendez. Là, c'est mieux. Ouais. Ok, bah, nickel. Ce sont les drôles de bestioles, ces Pokémon. Haha. Oula. On en trouve vraiment partout, du ciel à la mer, en passant par les grottes et au terme. Ah là là, on traite, c'est vraiment le mot qui décrit le mieux notre relation avec les Pokémon. Bah ouais, mais tu veux que je fasse comment? Il y a même des dresseurs Pokémon. Expliquer les combats Pokémon, c'est pas grave. Petit peu carimateur et jamais sûr à ce point. Ah. Crocabo. Bon bibdou. Putain, ce nom. Lucan. Je suis occupé là, je jouerai avec vous plus tard. Enfin, bref. J'ai besoin que tu confirmes deux ou trois trucs. Ah. D'abord, c'est là qu'a été ta photo. Alors, bon, enfin, voir tes prénoms. Celui de moi, je t'aiderai pour recadrer tout ça. Ok, ça marche. Est-ce que je prends un garçon ou je fais comme j'avais fait à l'époque? Ok, bah ça discute dans le chat. Tranquille. Prends un noir. Allez, ça changera. Ensuite, c'est... Ok, on va enregistrer le nom. Bah, Pika, on change pas une équipe qui gagne. Pika. Ok, on va mettre en minuscule. Sinon, je vais faire un prêt, je vais me faire insulter à chaque fois. Ouais. Hop.
Yeah, je suis Black. Pikachu. Non, t'es... Parfait. Je vais transmettre ça à tout le monde. Pika. Allez. Ça, c'est un nom qui me botte. Ou plutôt, qui me botte sucrète. C'est pas drôle. Bon, on se verra à Lola, j'ai hâte. Au revoir. Pika, il va falloir commencer à préparer les cartons. Oh là, ça accompagne les heures. Comme sur Pixelmon. Lol. Lol. Normalement, il n'y a que ces musiques qui lagent un peu. Ok. Ça va, il n'y en a pas beaucoup. Ah merde. Ça, on n'a pas construit encore dedans. Oh, pas content. Cosmog, pêche-toi. Bah, désolé pour la lag. C'est doudou. Je connais pas du tout les touches. 3 mois plus tard. Ça fait beaucoup là, non? Et demain c'est Rocket League, hein, oublie pas. Demain c'est Rocket League, bande de bossards. Oh, un miaou c'est la Lola. Un miaou Lola. J'espère que le random va marcher. Ça serait con. Yeah. Ah, notre première matinée à Lola. Le soleil brille, c'est tellement agréable. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a des cartons à déballer. Oui, oui, j'ai mis. Miaouche, sois un amour de Pokémon et va me chercher Pika. Miaouche. Normalement, j'ai mis. Oh, la chambre avec un switch. Allez, lève-toi. Bon, il y a un scarabrut sur la couette. C'est Sofuni. Oh, il y a un rageux. Ok. Donc pour bouger, ça a l'air d'être ses fèches. Nickel. Ouais. Ça fait bizarre. J'ai l'impression que c'est encore plus petit que sur DS. Everyone is here. Eh bien mon chéri, tu dormais comme un ronflex. Maintenant, tu as récupéré. Tu dois être d'attaque. Regarde-moi ce temps magnifique. C'est le soleil de Lola. Ça n'a vraiment rien à voir avec Kanto. Enfin, c'est normal, on est si bien ici. Stonks. Big Stonks. Et je parie que tu as hâte de découvrir les Pokémon d'Alola. Oui. Il y aura des Pokémon pas d'Alola. Lol. Oh oui, maman. Oh oui, maman a drôlement hâte elle aussi. Youpi. Alola, c'est vraiment une région paradisiaque. Je suis sûr que tous les Pokémon d'ici sont d'un naturel joueur et guéri. Et si tu allais faire un tour pour voir ça de tes propres yeux,
Allez, va chercher ton sac et ton bob dans ta chambre. Et n'oublie pas de consulter l'ABC Aventure sur ton bureau. Ouais, on va aller chercher notre bob. Yo mon bob. Yo mon bob, il est là mon bob. Regardez-moi mon beau bob. Là c'est du bob. I love my bob. Ta ta de break news. Parfait, te voilà maintenant équipé. Et surtout, fais attention aux autres herbes. Je t'aimerais que tu aies ton premier Pokémon. Bonne balade, allez. Allez, on se casse. Faut que je trouve c'est quoi les boutons pour ouvrir le menu. Ok, c'est Z. Maintenant, faut que je trouve Y. Ok. Oula. Ça, ça va être galère. Ok, donc S, c'est courir. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, toi? Il paraît de nos jours qu'on peut s'amuser avec les gens du monde entier sans bouger de chez soi. Génial, non? C'est comme un grand festival tous les jours. Décidément, on n'arrête pas le progrès. On pourra pas faire d'échange miracle. Ah bah non, on peut pas passer. Non, pas Trump. Pas Trump. Pas Trump. Oh my god. Brandy Boo. Ferme la ou. Je vous taquine. Non, pas nos yeux, connard. Ouais. On l'a battu. Allez, copain. C'est toi qui es honteux. Allez, oh oui. Il a mis Shadow Form. Oh, mais je te reconnais, man. T'es Pika. Ça va? Pas de bobo? J'ai rien compris. Ça va, grâce à eux. Ouais, j'ai vu ça. Franchement, ça m'en a bouché un coin. Des Pokémon qui se jettent d'eux-mêmes à la rescousse d'un humain, c'est dingue. Avec tout ça, j'en ai pris presque le principal. Tu me remets? Tu me remets? Tu me permets, non? Je suis Profeform. Bienvenue à Lola, man. Tu vas voir, c'est le paradis des Pokémon. Le challenge, c'est random, c'est déjà pas mal. Ici, les gens et les Pokémon vivent en harmonie. Tu vas voir, c'est beau à en pleurer. Ça me donne envie de pleurer. Surtout, si t'as un Pokémon, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Les Pokémon sauvages qui t'entraînent dans les autres herbes. Pfft. Si t'as un Pokémon avec toi, tu peux tout affronter. Et désolé, je te tiens à la jambe là, et j'en oublie le principal. Laisse-moi te présenter les Pokémon qui t'ont sauvé. Oh là. J'ai plus de viewers que Gab. Alors, le petit ondouilleur tout doux, c'est Brandy Boo, un Pokémon plante. Le boubou. Le noir gros, tout feu, tout flamme, c'est Flamiaou, un Pokémon feu. Flamme. Et le joyeux Pokémon Pato, c'est Otaka, un Pokémon O. Ota, Ota. Alors écoute, tu vas rire. En fait, tu étais censé choisir un partenaire parmi ces trois Pokémon. Non, jure. Moi, je voulais un... Moi, je voulais sous les Galileo direct. Ils ont peut-être senti. Et c'est pour ça qu'ils se sont lancés à ton secours. Oh, il y a Monsieur Doyer. Allez, choisis ton compagnon. Oh my god. Vas-y, lance-toi, lequel te tente. Kenotor, Passe Rouge ou Melo. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Choisis qui? Les gars,
c'est n'importe quoi. Je m'attendais à mieux quand même. Bah, je pense qu'on va partir sur Passe Rouge. Parce que Passe Rouge, il est quand même vachement cool. Hein. Je suis désolé, mais Passe Rouge, c'est best. Ouais, Connotor. Ah, oh, c'est Brindibou en plus. Ouais, nickel. Connotor, une menace silencieuse qui plane dans les airs et attaque à l'improviste. C'est vrai que Connotor, il plane dans les airs. Tu prends Brindibou? Oui. Je prends Brindibou. Regardez-moi ce beau Connotor. Il y a des plumes. Vous avez choisi Brindibou. Regardez comme il est beau. Est-ce qu'on lui trouve un surnom? Allez, je vais choisir dans le chat. PVC Sam, pourquoi je m'en doutais? Allez. Si j'oublie le V, ça va pas le faire. V, C. Sam. PVC Sam, on va mettre. Allez. PVC Sam a rejoint votre équipe. Oh, tu as choisi Brindibou. Je suis sûr que vous ferez un duo d'enfer. Et là, maintenant que t'es dresseur, tu peux affronter les Pokémon en combat. Tiens, une Pokéball pour gagner. Ah, c'est pour Brindibou. Je pensais que c'était pour moi. Sur ce, en route pour Lydie, il faut que tu ailles voir le doyen. Le doyen quoi? Le doyen quoi? Le doyen de Liman. Tu sais que c'est grâce à lui, c'est Brindibou et ton compagnon. C'est un cadeau de sa part. Oh, c'est gentil. Faut que t'ailles lui montrer quel Pokémon t'as choisi, c'est le minimum. D'ailleurs, pour te faire un petit topo, les doyens et les doyennes sont des dresseurs hors pair. Il n'y a pas meilleur qu'en combat Pokémon. Ah si, il y a moi. Avec mon bidouf. Lily, c'est par là. Attention, on va aller dans les premières herbes. Et j'ai peur. Tu peux garder Brindibou au chaud dans ta Pokéball que je t'ai donné tout à l'heure. Avancez, partons, partons. Qu'est-ce que c'est? C'est le lag. Oh putain, Brutailleux, ouais. Vas-y, Connotor, on le défonce. Attaque. Bon, moi ça va bien avec Brindibou. Donc c'est censé être un Brindibou. Oh là là, c'est super efficace. Oh, j'ai des restes dessus. Trop bien. J'ai l'objet reste. Attaque le pec. Ouais. Il trouve même un bidouf. Top ça. Non. Allez, c'est super efficace. Juste il évolue dans un niveau plus loin que l'original. Oh non. Oh, on va y aller au centre Pokémon, je pense. Oui, c'est vraiment un peu couvert. Et toi, là? T'es qui? Et t'es derrière, t'es qui? Tu peux utiliser les potions que tu ramasses sur ton Pokémon. Y'a rien de tel pour le requinquer. Donc si je prends l'objet là-bas, il sera random. Ah non, un potion.
On a un potion. Donc ça va être random. Non, ça sera une potion. Il y a Jean-Michel T. Normalement, il devait, je sais pas. Et hey, Eddy. Tu vas prendre qui comme Pokémon? Indy. Moi, c'est Tilly, enchanté. Oh, il me saoule déjà. J'ai trop hâte de choisir un Pokémon avec toi. Du coup, j'ai pas pu attendre. Je suis venu te trouver pour qu'on décide ensemble. Regarde mon beau Grindibou. Wow, classe le Grindibou, mais attends. T'as déjà choisi? Attends que je t'explique. Tilly, il y a eu un petit accident. Pika a eu quelques soucis, les Pokémon sont venus à sa rescousse. Il a dû choisir sans attendre. Ah ouais, mais alors c'était genre un coup du destin? Trop bien. Tu peux choisir entre ces deux autres Pokémon. Ota! Va! Il y a le G qui prend au tac, hein, je crois. T'as qu'un, je te choisis. Allô là, toi, mon nouvel ami. Tu sais quoi? Bah, destin, il fait trop bien les choses. Parce que c'est de toi que je rêve depuis que je suis tout petit. C'est mignon. Tu vas voir, on va vivre des aventures formidables, toi et moi. Ah, le Pokémon qui choisit ne changera pas son Pokémon, je crois. Ok. Professeur, vous allez prendre bien soin de Flamèo, pas vrai? Tu peux compter sur moi. Bon, Flamèo, rentre dans ta Pokéball. Et hop, tout le monde chaud. J'ai tellement content d'avoir Otaka comme partenaire. J'ai trop hâte de combattre à ses côtés. Tu veux faire un petit combat à la cour contre nous? Mais j'ai pas soigné. T'as pas suivi si vous voulez combattre, laissez-moi m'assurer que petit Grindibou est au top de sa forme. Ah, c'est un bon. Ici, il y a bien trois teams différentes. Oh, okay. Trop bien, je sens qu'on va bien rigoler. Oh putain. Le dresseur de ce badge torte. Y a foutage de gueule, les gars, non? Non, mais y a un foutage de gueule. Je suis pas très d'accord. Non, mais les gars. Mais non. Mais non. Mais. C'est quoi ça? On en parle ou pas? C'est trop fort, il tombe dessus. Mais mec, laisse-moi jouer, non? C'est vraiment bien d'amuser, c'est tout ce qui compte dans un combat Pokémon. Mais nique ta mère. Mais ta mère. Vous avez grave géré. Mais j'ai rien fait. C'est pas tout ça, Pika, on va aller. C'est juste en haut des marches. Mais je fous de ma gueule. Le mec, il me sort en méga tortonk. Il me sort en méga tortonk. Non, mais non. Je suis pas d'accord. Pourquoi j'ai pris Bidouf? Pourquoi? PVC Sam, t'es nul. C'était fait one shot. Et voilà, on est arrivé à la Lily tranquille. Ouais, bah voilà, j'ai bien fait de pas faire en random. En deux doc. La vénère, le Pokémon appelé Tocorico. C'est lui le gardien de vie de Mélémé, où nous nous trouvons. Bah mince alors, je vois pas être doyen. Il est sûrement parti s'occuper d'un truc. C'est pas du tout repos d'être doyen. Lui il est parti en sifflotant tout à l'heure. Normalement un oiseau commence par tuer les Pokémon. Ouais mais quand même. C'est pas tout, mais je fuis à la maison. Faut absolument que je montre Otaka à ma mère. Si vous pouvez deviner, je vais devoir faire pareil. Avoir une idée du tonnerre de tous ces villages et une route qui monte dans la colline et ruine. De Tocorico, le gardien de l'île. Si tu allais faire un tour, qui sait, tu croiseras peut-être le gardien. Tu sais où que le plaisir me ramène tranquille.
Yeah. Est-ce que je suis soigné? Ok, je suis soigné. Pourquoi je suis pas... Attaque importante type... Oh, il y a un truc. Ouais, mais quand même. Que t'es pas assez présent pour être modo. Bon, allez, on y va. Bonjour toi. Mauvais bouton. Tu es venu rendre hommage au gardien de l'île. J'espère qu'il acceptera de te voir. Ouais. Ouf. Oh. Elle est. Oui, je sais, arrête de t'agiter. Nous allons avoir une promis. Mais s'il te plaît, ne sors pas du sac. Si quelqu'un te voit, nous aurons de gros soucis. C'est parti. Cours, cours, cours. Il y a des bonnes. C'est ça, ouais, fou. Les piafabéques qui ça trouve c'est des reptincelles. Y a pas une Pokéball ici. Ah non, dommage. Mais toi qu'est-ce que tu veux, wesh. Quelque chose ne va pas. Je me trompe de bouton. J'ai besoin de ton aide. Sauf Doudou, je t'en prie. On va sauver Doudou. Mec. Oh, il pleure. Ces Piafabecs sont en train de l'attaquer. Oh, je crois qu'ils jouent ensemble. Je ne suis pas dresseuse, je ne peux pas l'aider. Mais toi, tu dois pouvoir faire quelque chose. J'en supplie, aide mon pauvre petit Doudou. Bon, moi je me casse. Merde. On a rien vu. Un cerf-muraille. Gauche. Wesh. Oh non. On s'en fout, tu es super efficace. Ouais, mais il fait mal. Oh, il a échoué le con. Allez, go. Oh, lourd. Repli tactique. Mais fils de pute, il me fait même pas faire de XP. Moi, je vais d'XP. Non, j'espère que les PFABEC se décourageraient. Oh, que faire, que faire. Je t'en prie, va sauver Doudou. Fais attention à toi, le pont suspendu a l'air fragilisé. Ce espèce ne se passe pas du tout comme prévu. Ouais. Non, il va être mon Bob. Il va voler mon Bob. Non. Non, mon Bob.
Oh là là. Où vous êtes plus mec. Ils se sont fait rex. Ah. Il n'y a rien fini, il y a eu l'eau de Tokoro. Il n'y a plus de pont. Oh, quelle frayeur. Tu as encore essayé d'utiliser tes pouvoirs. Enfin, tu sais pourtant ce que ça donne. La dernière fois, tu étais tellement épuisé que tu n'avais même plus à bouger. Je ne veux plus jamais te voir comme ça, doudou. Je me sens tellement coupable. Je sais que tu as fait ça pour me sauver la dernière fois. Et dire que moi, je ne suis même pas capable de te protéger. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi? Piou piou! Tu as trouvé une pierre qui brille, doudou? Oh, elle est tiède. Merci pour ton aide, merci du fond du cœur. Grâce à toi, nous avons évité le pire. Tu as ma gratitude éternelle. T'es qui au juste? C'est ce roi de flèche. Nique ta mère! Je m'appelle Lily. Cette pierre te revient, je suppose. Oh, j'ai une pierre. J'ai la chaîne de lumière. Vous mettez la chaîne de lumière dans la poche, pierre. Pourrais-je te demander de ne parler de ce Pokémon à personne? Il faudrait que tu gardes tout ce secret, c'est vraiment important. Doudou, rentre vite dans le sac. C'était des Tiki. Pardon, mais j'ai peur que Doudou se fasse à nouveau attaquer. Est-ce que tu voudrais bien nous accompagner jusqu'à la place du village? Ok. Eh, y a Théo qui te trouve bonne. Allez, on y va. Eh, mademoiselle, attendez-moi. Ah bon, on est arrivé. Eh wesh. Bah alors, man, c'est pas être voyant que t'as débusqué, mais la petite Sylvie, mon assistante. Ouais, ouais. T'étais pas avec Doyen, ma grande? Monsieur Pectorius avait affaire, il a dû s'absenter. J'en ai profité pour aller faire une baleine sur le sentier de Mahalo. Et du coup, tu es tombé sur notre nouvelle recrue. Pika est arrivé à Lola pas plus tard qu'hier. Je compte sur toi pour lui expliquer plein de trucs. Oh, tu connais Professeur Ruffin? Eh bien, ma foi, enchanté. Le doyen est de retour. Hourra pour Pectorius, l'homme que le gardien a choisi. Le dresseur Pokémon dont la renommée s'étend à tout à l'heure. Oh bah j'espère qu'il n'y aura pas de tortank, Megal. Quatre tortank. Oh bon. Il va prendre le taureau par écran. Le taureau. Coucou. Eh bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Pectorius, t'étais passé où, man? Encore des soucis à régler? Ah ah, mon bon effort. Figure-toi que je me suis retrouvé embringué dans un combat de Rokabo. Quelle histoire! La petite Lily, que s'est-il passé? J'ai bien cru voir Tokoriko s'envoler par-dessus la canopée. Oh, monsieur Pectorius, c'est mon petit doudou. Il était sur le pont suspendu et s'est fait attaquer sauvagement par des plafabèques. Heureusement, Pika s'est porté à son cours sans hésiter. Le pont s'est brisé. À ce moment-là, j'ai eu très peur en les voyant tomber. Par chance, le gardien de l'île est arrivé et a plongé à leur rescousse. Waouh, trop classe. Ma foi, Tokoriko est pourtant un gardien bien capricieux. S'il a décidé de les sauver, c'est que notre jeune ami lui a tapé dans l'œil. Oh, il veut une pécho. Il n'y a rien d'autre à foutre de sa vie. Bon, écoute, c'est un Pokémon. Mon cher Euphorbe, voilà une bien bonne nouvelle. Je vois que ce jeune garçon au cœur tendre et vaillant est déjà un dresseur formidable. Mais oui. Enchanté, mon petit. Je suis Pectorius et Dorian de Mélimélé. Bienvenue à Lola. J'espère que tu te plairas ici. Euphorbe m'a beaucoup parlé de toi. Je suis très heureux de faire ta connaissance. Doudou, tu es incorrigible. Le professeur et monsieur Pectorius peuvent nous protéger en cas de danger, mais en temps normal, évite de sortir du sac, d'accord? On dirait que Doudou t'aime bien.
Tu sais, j'ai vu que les Pokémon adorent quand on les caresse et qu'on s'occupe d'eux. J'ai un super cadeau rien que pour toi, Pika. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Oh, un Pokédex. Le Pokédex est un appareil high-tech qui enregistre automatiquement des informations sur les Pokémon que tu croises. D'ailleurs, les infos de Brindibou devraient déjà être enregistrées à l'intérieur. Mais que nos torts. J'ai dit un dol à l'occasion. Et ça, c'est ton passe-dresseur. Je vais garder bien au chaud en attendant ton arrivée. Bon, je vais peut-être rentrer maintenant, même. T'as vu, je dois y aller. Donc, c'est bon pour le moment. On te retient plus. Et ben, c'était sympa. Eh, Pika, attends. Il y a beaucoup à lui encore. Où étais-tu encore passé, Tilly? Tu es constamment en train de courir partout. Tu peux parler, Pépé. Tu es toujours en train de te balader, toi aussi. Et de famille, haha. Hein? Ah non, je t'en pique. Dis-moi, regardez cette pierre brillante que tu as là. Vas-y, prends. Prends la drogue. Non, mon petit boulot. Papé, cette pierre. Mon petit Pika. C'est bien Tocorico qui t'a sauvé tout à l'heure. Oui, c'est bien ça. Non seulement il t'a sauvé, mais en plus il t'a donné cette gemme. Je vois. T'as vu ni... Ah là, est peut-être un signe du destin. Accepterais-tu de me la confier pour quelques heures? Je te la rendrai demain. Non. En tout cas, tu as toutes les qualités d'un trésor en fer. J'espère que tu seras là pour le festival de demain. Cela me ferait très plaisir. Ce n'est pas une pierre, mais un kebab. Putain. Allez, Mani, il est temps de remballer Zizi. On rentre aussi. Et garde un œil sur ton petit protégé. C'est pas le moment qu'il se fasse encore la malle. Oui, je vais faire attention. Je croyais que personne ne devait être au courant. Et regarde. Il me fatigue. Tu as entendu, Doudou? Eh bien, essaie de t'échapper du sac. Private joke. On avait dit pas de private joke. C'est ce que tu me dis à chaque fois, connard. Ouais, on est de retour. Oh mon chéri, déjà de retour? Eh ouais. Alors, doyen Pectorius, de quoi a-t-il l'air? Mais qu'est-ce que je vois? C'est ton Pokémon? Comme il est chou. Tu dis qu'il s'est lancé à ton secours? Ouais, sans hésiter. Que c'est beau. C'est un coup de destin, ça. Vous formez la paire parfaite, tous les deux. Rien que vous regardez, maman est aux anges. Il est jaloux. Le lendemain, j'espère que ça se passera mieux. Que le tortant qui a eu sa armure qui fuit, voilà quoi. Quel splendide coucher de soleil. Dire que j'ai tous ces cartons à déballer. Tiens, on sonne. Tu peux aller ouvrir, Pika? Eh vas-y, t'es qui? Oh, c'est le fort. Oh, lolo. Oh, c'est fort. Eh, hey, moine, t'as un bloc pour le festival? On va y aller. Mais j'ai oublié un truc super important, donc on va faire ça avant. Maintenant que t'es dans un Pokémon, je dois te montrer les bases. Viens sur la route 1, tonton le fort, batana, patati patata. Amuse-toi bien, mon chéri. Maintenant que tu as un Pokémon, je suis sûr que ça va être que du bonheur. Pendant ce temps, ta Mamounette et Miaou se font déballer tous les cartons, promis. Miaou! Viens t'entendre qu'être sans autorisation. Oh, bah t'as raison, pas fait d'autorisation. Le fort, bah t'entends. Oui, je me disais aussi. Oh, il commence à faire nuit. Oh, Pika, dépêchons-nous d'y aller. Si t'étais un Pokémon, je te ferais utiliser Hâte. Il est rigolo. Tu as son attestation? Non, il n'y a pas ce bâtard. Oh. On va apprendre à capturer. Par ici. Est-ce que ça va être un moteur qui fait explosion? Écoute bien, man. C'est dans les sauts de serre que les Pokémon sauvages sautent sur l'adresseur, c'est fibre. Mais reste zen, tu ne crains rien tant que ton petit Brindibou est là pour te défendre. C'est tout avantage de l'adresseur. Sans oublier que tu peux aussi attraper les Pokémon sauvages.
Je vais te montrer comment on fait. Observe l'artiste et prends-en la graine. Si tu joues le soir ou l'après-midi, les Pokémon sont différents. Herbibule. Oh, il est pas différent. Oh, lui non plus. Moi j'ai pas regardé s'il y avait des attaques différentes. Ah non, il n'y a pas d'attaque différente. Putain, j'ai cru que j'allais utiliser une potion le matin. Il va falloir burst une Pokéball. Une sorte de vidéo tuto car j'ai rien dit pour plus sûr. Enfin peut-être c'est dommage et voilà le travail tranquille à l'herbibule dans la poche. Certes il arrive que les Pokémon se surprennent aux humains, mais t'en fais pas, ce que tu parviens à attraper se battront à tes côtés et deviendront des alliés de choix. Si tes Pokémon sont fatigués après un combat, laisse les se reposer à la maison. Tiens, il y a des Pokémon, des potions pour partir du bon pied. Les Pokémon. Vous mettez les Pokémon dans la pop. Bon, c'est la seule potion. Ouais. J'ai plus qu'à aller à Lily. Où le chenet, ça rend vraiment l'aventure. Et ben, du bout, prends-moi un piqué, ok. Est-ce qu'on capture notre premier Pokémon? Oh, Luxio. C'est sympa. C'est sympa. Oh putain, il y a Darbenin. Ah. Aïe. J'essaie de trouver un nom en attendant. Aïe miracle. Elle des picou. Allez, pourquoi pas. Je sais plus combien niveau combien il évolue à Luxio. On va y fumer. Est-ce qu'on fait un Pokémon par zone ou pas? Level 30. Ok. Ouais, Luxio c'est cool, je suis content. Enfin, si je le capture. Ça passe. Ah oh bah ok, bah je fais pas là. Un, deux, trois. Allez. Hop, tu as attrapé. Niveau 6. Alors. Ah. Et. Mais attendez. Oh merde. Bah ça sera AD.
peux pas modifier en plus, je crois. Retrouver un Pokéball. Ah merde, je suis encore dans les herbes. Snub. C'est une pute. Ouais, ça fait d'XP. Verrouillage. Vas-y, une bise. Je me sens visé. Oh bâtard, les gars sont fous. Verrouillage. Ah, faut que je regarde ce qu'il y a comme objet luxueux sur lui. Oh, le coup critique. D'accord. Oui, pardon, AD. On va croire que je fais des placements de produits. Alors. Carapace mu. J'ai même plus écho. Un combat. Bonjour. Quoi, regarde, vous, tu connais la suite. Oui, c'est parti pour un combat. Oh non, combat. Tu vois, je veux se battre. Togi Demaru. Ah ouais, elle commence comme ça, elle. Miroir, tiens. C'est méchant. Ah. Ah. Ça va être problématique. Oh, mais vas-y. T'abuses toi. Ouais. C'est jamais. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh non. Oh, c'est bon. Oh. Oh, lolo. Oui, je suis dans la merde. Oh, regarde, j'évite tout. Oh, lolo. Aïe. Non. Allez, viens là, AD. Thank you.
Et merde. Non. Mais du coup, je suis obligé d'avoir un pack-up sur un autre Pokémon, parce que... je pourrais jamais le faire. Waouh. Il y a combien d'attaques? Mais laissez-moi vivre. Mais qui m'achève? Bon bah c'est la fin. Non. Bah ça commence très bien. J'ai de tout. Bon, on va essayer de capturer un autre Pokémon alors. Espérant tomber sur un meilleur Pokémon. Alors. Barloche. Mais il est que niveau 2 en plus. Qu'est-ce que je veux que je fasse avec ça? Après tu me dis, je peux USP et essayer d'avoir une nouvelle attaque. Aussi. On va peut-être faire ça. Oh, un Mandzai. Aïe, aïe, aïe. Il est méchant. Wow, 70 Pokémon maintenant. Est-ce qu'on capture le Mandzai? Putain. On capture le Mandzai ou pas? Je pose le Mandzai. Ok, bon, je suis mal. On fume. Enfin. Il se plaît un peu, ça fera pas de mal. Ouais, on va faire ça. Je peux avoir une nouvelle attaque. Baggy Luan. Oui, mais Tortante, c'est un connard. Bien. Level 9.
On va peut-être faire une petite sauvegarde au cas où. Merde. Toc. Ok. Alors. Ah. On le capture. On va essayer de le capturer. Ouais, je ne décide pas. Il va me tuer en forêt. Mais attends, mais Rayon Z, c'est l'attaque signature de Solgaleo en plus, non? On a eu les têtes. C'est de l'abus. On la paye comment? Faut trouver un nom. Juste choisir un nom. Là j'ai pas d'idée. Tu qu'on fait honneur à RV Max ou pas? Pas d'idée. Oh, on peut appeler pas d'idée, c'est pas drôle. Pas avec ça pour RV Max. Non, on l'appelle Michel. En pense-le. Oui, pour Michel. Allez. Va pour Michel. Merde. Michel. Michel, rejoins votre équipe. On va peut-être aller se soigner. Et refaire une sauvegarde. Après se soigner. Puis on va expérimenter un petit peu notre bidouf. Merci. Juste. Qu'est-ce qu'il a comme objet? Oh bah il y en a pas. Triste. Pas figaré avec vous. Abuse pas. Alors. Un mentaliste. Ok. C'est sympa. On va faire monter PVC Sam niveau 8.
On va faire monter les deux autres niveau 5, je pense. Aïe. Non, peut-être pas Luxio parce que du coup pour le prochain il va servir à rien. Au moins il a le thème. Oh non. Ouais. Allez, c'est reparti. Oh, un arcanin. Trop bien. Quoi, il y a tout ça comme attaque. Mon niveau vital est pété. Moi je pense que l'autre on va défoncer du coup maintenant. Mais mec, un Torterra, trop bien. Bon, on va éviter de trop en capturer parce que sinon on va être surcheaté. Il est mort. On va se soigner et puis on va aller se faire le... Oh, tu n'y es. Est-ce que tu ne lis, c'est bien. Ah, 80 de puissance quand même.
Ouais, ça peut être utile pour... On va enlever l'éclair, je pense. Donc, on a... Allez. Il faut se soigner. Et on va se faire le dresseur. Ah bah. Mais mec, je le prends. Bah je le prends pas. D'autres. Mais tu avais fauchage. Oui, mais j'ai appuyé sans réfléchir. J'étais sous le choc. Allez, on va se faire le dresseur. Qu'on avance un peu parce que si on reste route fin. On est dans la merde. Assassin. Pas du tout. Flamme à joue. Allez, viens là. Je te fume. Je te fume maintenant. Les gars. Allez, c'est parti. Parce que en fait ton tog est dément vous. Ah, les épées qui vont danser le terme, putain c'est fou. Putain, arrête de me hype. Allez, ça dégage. Ah bon, il m'avait pas comme chercher de temps. On va remettre Bidouf en première position. Non. Toc. Et on va sauvegarder. Oh, il y a le gosse. On va se faire le gosse. Il a changé les gamins. Il est devenu vieux. Putain, il a mis Mickey. Mais il est gros son Mickey. Oh non, il m'a fait tomber mes restes. Dominant, mais non. Bah je fume. Allez, PVC Sam. Ouais.
perdu avec un Pokémon insecte. Je suis vert. Beau Pokémon insecte. Passons au mauvais peuple, 135 euros d'amende. Putain, ferme ta gueule. Un potion. Je suis Nitty. C'est nul. Il est bien beau. Larry, Hirokabo sont des Pokémon très amicaux. Joue un peu avec et tu verras. Salut toi. On va commencer, allons-y. Bonjour. Pire fonctionnalité des Pokémon. Eh bah toi contre moi. Darry le gamin veut se battre. Solarock. Ok. Ah, une musique aussi avant son random. Putain. C'est la situation qui est random. Et là tu peux la gagner quand même. Ok. Alors. Je vais lui faire rayon jeune. Aïe. Foutez-moi. Car tu peux combattre ce gamin en tant que maître. Oh. Mais t'es super fort en fait. T'aurais pu me prévenir. Eh ben non. C'est donc cela, cette étrange chose qui nomme festival. Comme c'est fascinant. je voulais dire, les intentions. Ce n'est pas le moment de batifoler. Tiens, souchou. Comme si tu n'étais pas intéressé, je parie que ça t'intrigue. Au fait, l'analyse du niveau d'aura donne des résultats singulièrement hauts. Ce n'est pas étonnant. Après tout, elle va être baignée de lumière grâce au grand radieux. C'est-à-dire que tu n'es pas à l'abri d'un combat contre Ryo, version Rainbow Rocket. What the fuck? Même s'il est maintenant éteint et plongé dans un profond sommeil. Ne t'en fais pas, bientôt ils demandera de nouveau le monde de lumière comme jadis. En attendant, poursuivons nos recherches. Laisse-moi deviner, tu n'es pas d'ici non plus. Tu sembles venir d'un endroit lointain. Tout ça parce que je suis noir. Tout ça parce que je suis noir. 8 épisodes Rainbow Rocket, ça... Putain.
on va chercher l'objet. Tournegrain. Allez hop. 11. Déçu. Un antiparme. Allez, c'est parti. Oh, un gros noix de coco d'Alola. Oh my god. Bonjour. La région d'Alola est composée de 4 îles. Et chaque île possède son propre Pokémon gardien. Le festival d'aujourd'hui est organisé en l'honneur du Pokémon gardien de Mewtwo. Ce festival est notre manière de remercier, de veiller sur nous. Enfin, un festival est un rando. On voit plutôt ça comme une petite fête de village. En tout cas, c'est un moment de jouer où chacun y met du sien. Yay! De parler à tout le monde. Wesh. Hey copain Tibi. Tibi, attaquez-moi, t'attendais à tout pied ferme. Attends, me dis pas que t'es pas au courant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On arrive plus au bon moment. Plus au bon moment, pourquoi? Piou. Pour avoir deux Pokémon s'affronter de toute leur force, capacité contre capacité. Part du combat Pokémon de l'honneur de Tokuriko qui aura lieu pendant le festival. Alors, vous allez vous battre l'un contre l'autre? Je n'aime pas trop les combats en fait, je ne supporte pas de voir de Pokémon souffrir. Et je fais un effort pour cette fois. Soignez-moi. Si tu veux que tes Pokémon se battent pour toi, laisse-moi d'abord assumer. Ah. Pendant Pokémon Bookie avec les... Oh putain de merde. Bien, est-ce que tu es prêt à combattre? Oui. Parfait, le combat commence. Oh putain. Habitants de cette île, et vous qui participez au grand tour des îles, que le gardien de Mele vous protège. En échange de sa protection, nous lui dédions ce combat Pokémon. Tokuriko déploie tes ailes bienveillantes sur ceux qui vont se battre. Vas-y, le premier combattant. Ti, le cher de ma chair. Le sang de mon sang, mon petit-fils. Le sang de sa mort. Et qu'attendons-nous au taquin? Face à lui, Pika, qui a l'honneur, qui a eu l'insigne honneur de rencontrer Tokuriko. Le sang de mes veines. Sérieusement, je connais bien notre gardien toujours à la fuite des nouveaux arrivants. Konotor, la victoire de mon petit Pika dépend de toi. Ouais, il est appelé Konotor. Le sang de mes morts, le Joe, le David. On est là pour s'amuser, perdre ou gagner, peu importe du moment qu'on se bat. J'arrive, t'arrives pas tard. Pika, t'es bienvenue de ces beaux Pokémon agir. Est-ce qu'il y a encore son Tortank? C'est moi. Quoi? Mais non, mais mec, mais mec, mais mec. Mais mec, mais mec, mais calme-toi. Mec, Tizi t'abuse. Tizi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux jouer à la boost? Moi, ça joue à la boost. Allez, viens là. Il n'y a que des attaques qui font pas de dégâts ou quoi? Bah, j'en ai. Ok. Allez, protection.
À côté, il y avait gélatine à forme originale. Quoi? Merci. Aïe, il m'a fait un coup critique, le bâtard. Ok, mais stop. Allez. Monte niveau 9. Yes. Onde vide. Oh, je sais même plus ça fait quoi ça. Maganon. On va continuer. Comment on fait un feu déjà? Il y avait 15% de tomber sur un chameau. Oh, moi tu as mon connaisseur. Yes. Allez. Hop, niveau 7. Bien Michel. Niveau 8. Bien Michel. Déjà fini? Allez. Il y a encore un sacré beau combat cette année. Je parie que Tokoriko a adoré. Ouah, t'es trop fou, t'es vraiment trop fort. Pika, j'ai super administratif. C'était un super combat, ça valait drôle dans le coup. Vous pouvez être fiers de ce combat, mes petits. Tokoriko lui-même doit être. Tokoriko. Tiens, justement, entendez son choc et raisonnement. Au fait, Pika, j'ai quelque chose pour toi. Ah, c'est bien ça. Les grands flux au Super RCZ. Voilà un Super RCZ. C'est un anneau mystérieux qui permet de libérer une puissance sommeillant dans les Pokémon, la force Z. Nous autres doyens, nous les façonnons à partir de gemmes lumière comme celle de Tokoriko que t'as confié. Pour libérer tout le potentiel de la force Z de tes Pokémon, il faut que tu te lances dans le tour des îles afin de glaner les cristaux Z. Laisse-moi tout de même te préciser qu'il est fort rare que Tokoriko fasse directement un cadeau d'une jeune lumière. Je crois que Tokoriko t'aime bien. Ou alors, il y a une mission pour toi. Peut-être qu'en suivant ton tour des îles, tu verras plus clair. Hein. Ton tour des quoi? Ton tour des îles, man. Tu vas partir à l'aventure et capturer des Pokémon sur les 4 îles de loi. C'est une étape indispensable si tu veux devenir lauréat du tour des îles. Ça va être trop bien, j'ai hâte de partir à l'aventure et tout. C'est pas le même champ dans ce match. Je vais Spectarius faire le topo. Après tout, c'est les doyens d'île. Tu avais bien commencé, mon cher Fou. On va voir comment présenter les choses. Le tour des îles d'Alola est une sorte de voyage initiatique à la découverte des autres et de soi. Quand ils ont 11 ans, les enfants de nos belles îles partent à l'aventure avec leurs Pokémon. Voici vos amis du tour des îles. Symbole de votre participation à cette grande épopée. Cool, merci papé. Je vais faire un tour des îles extra et je serai lauréat du tour des îles. Voici la tienne, Pika, profite bien du tour des îles. 11 ans, putain. Lui, 11 ans. Putain. C'est la meilleure manière de découvrir notre belle contrée.
faut absolument que je remercie Tocorico. Après tout, c'est lui qui a sauvé Doudou. Je lui dois bien beaucoup. Pio. J'ai une dette, moi. Ah, mais c'est vrai, il t'a sauvé aussi. En plus, il t'a donné jeune lumière. Quel drôle de Pokémon, tout de même. Hé, hey, les jeunes, on se rentre. Eh bien, mon petit Doudou, quelle journée. Alola est vraiment un endroit plein de surprises. Oui. Ma foi, ce festival était bien étrange. Quelle débalance de puissance. T'avais l'air de bien t'amuser. T'aurais voulu te battre, toi aussi. Un peu de sérieuse, oui. Je te rappelle que nous sommes ici venus pour enquêter. Avec toute notre technologie, nous sommes incapables de contrôler la lumière du grand rayon. Et pourtant, il le faut. Crois-tu que le peuple de est capable de se servir d'aura très puissante? Ouais, peut-être grâce à leur super brassazé. Le niveau d'aura dégagé était faramineux. C'est peut-être comme ça qu'ils arrivent à les contrôler. Je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises à l'heure. Allez, on continue. Miaou, je peux m'y rentrer. Ah, mais tu es là, Pika. Tu t'es très bien battu, mon chouchou. Maman est fière de toi. Ça m'a fait tellement chaud au cœur de voir mon fils adoré en communion avec ses Pokémon. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire du tour des îles? Ça peut valoir le coup, non? Par contre, piou, maman est fatiguée, mon gros doudou. Je crois que j'ai trop dansé pendant le festival. Après tout, je n'ai plus 20 ans. Allez, Oli. Wow. On a un niveau vital, putain. Un niveau vital. Le lendemain. Ah, il fait si bon. J'adore ce climat. Bon, bon, bon. Que vais-je faire aujourd'hui? Tiens, on sonne à la porte. Je parie que c'est encore le professeur et qu'il ne s'est pas fait prier pour entrer. Il est gentil, mais il n'a pas compris à quoi sert la sonnette. Hihi. Pauvre fou. Galilée. Affusion du coup Pokémon de... Putain. Les professeurs forment mon voeu. Yepli, tu vas chez notre dresseur en herbe des 8 passés, Mathilde. Donc je vais te conduire au laboratoire. Si tu veux bien me suivre, c'est par là. Pika. Tiens, un petit peu d'argent de poche. N'oublie pas que ça ne pousse pas sur les armes. Oh. Il ne dépense pas n'importe comment. Merci maman. Oh Pika, tu ne m'avais pas dit que tu avais une amie si jolie. Vas-y, elle veut me faire pêcher la meuf. Oh, Alola est vraiment fantastique, on y rencontre des gens formidables. Enchanté madame, je m'appelle Lily. Yeah. Bon vent les enfants, amuse-toi bien avec Kenotor mon chéri. Oui. C'est un gentil Kenotor. Elle est gentille ta mère. Bon, ce n'est pas tout ça, mais le professeur nous attend. En route. Allez, vas-y. Montre-moi. Pour rejoindre le laboratoire du professeur, il faut traverser les hautes herbes. Il dit qu'il étudie mieux les capacités quand il est entouré de Pokémon. Je suis pas gentil, moi. Non, toi, t'es un connard. Mais Kunotar est gentil. Enfin, c'est bien beau, tout ça. Mais je ne suis pas dresseuse, donc j'utilise un repousse. C'est le seul moyen pour que les Pokémon me laissent tranquille. Doudou est un Pokémon très rare. En fait, son prénom est Cosmog. Il vient de très très loin. Il a des pouvoirs très mystérieux. Un jour, il les a utilisés pour me sauver alors que j'étais en danger. Mais il y a des personnes mal intentionnées qui le chassent pour obtenir ses pouvoirs. C'est pour ça que seules quelques personnes dignes de confiance comme les doyens ou les professeurs connaissent son existence. En tout cas, je te l'ai déjà demandé. Mais ne parle surtout ni de Cosmog, ni de ce qui nous aide à arriver au pont suspendu et à qui que ce soit. Je compte sur toi. Non, t'es un connard, t'es pas que notaire. Au fait, si ça t'intéresse, j'ai une astuce qui peut se révéler bien pratique.
En sautant ce petit dénivelé, on peut rejoindre le laboratoire directement en évitant les hauteurs. Comme ça. Et hop. Je vais se casser la gueule. Ta mère. Oh, oh. Vas-y, je vais épingler. Tu peux passer par là aussi, c'est ça. Ou prendre le temps d'explorer comme tu veux. Je pars devant, on se retrouve au laboratoire. Bon, allez, c'est parti. Baston. Attendez, je prends un petit coup. Vas-y, Rocabo, déchaîne-toi, t'inquiète, tonton est fort, peut encaisser. Oh non, il recommence. Que penses-tu du laboratoire? Il y a un certain charme, je trouve. Ça fait maintenant 3 mois que le professeur m'offre l'hospitalité. Je ne suis pas sûr d'être une assistante la plus efficace, mais c'est ma façon à moi. D'essayer de remercier en lui étant utile. Cela dit, je pense qu'un dresseur lui serait bien plus utile que moi. Quelqu'un comme qui ne connaît rien au Pokémon. Croc croc. Le professeur n'a pas donné ses capacités à l'intérieur du laboratoire. Je crois qu'on peut encore dire adieu à toi. Et je ne parle même pas de sa blouse blanche, fraîchement lavée, repassée et amidonnée avec amour. Enfin, je n'y connais rien ici, donc je donne tout au pressing, mais quand même. Bien, rentrons. Voilà, ça part, ça part. Hein. Oh. Il y avait un Snubbull là-bas ici. Un peu plus. Salut Pika, merci d'être allé le chercher, Miss. C'est bien normal vu que je suis votre assistante, c'est mon travail après tout. Grâce à ça, j'ai pu avancer dans mon boulot et Rocabo a pris des capacités bien stylées. Assez de blabla, Pika. Passe-moi ton Pokédex une seconde, tu veux. En fait, il dit, tu te paies toujours ici. C'est tranquille, non? Moi, j'adore. Sinon, le matos que j'ai commandé vient d'arriver. Eh bien, Lily, tu as perdu ta langue, mais laisse pas causer tout seul. Bref, passons aux choses sérieuses. On peut mettre un motisme dans le Pokédex. Vraiment? Ah, si tu veux des informations sur motisme, je peux te renseigner. Étant majoritairement constitué de courant électrique, motisme est un Pokémon qui a le pouvoir d'entrer dans les machines. Ok. Et pour tirer parti au maximum des drôles de pouvoir de motisme, on a une super idée. Tiens, ça va bien. On a créé une toute nouvelle génération de Pokédex où Motisma peut intégrer, c'est ouf! C'est un mode de communication révolutionnaire entre les hommes et les Pokémon. Ces nouveaux Motisma Dex sont encore méga rares pour l'instant. Tu réalises un peu la chance que t'as? Laisse-moi bidouiller ton Pokédex et y ajouter les pièces que je viens de recevoir. Titi? Et désolé Motisman, je voulais pas te faire peur. Je t'ai mitonné un Pokédex aux petits oignons. Motisman, tu m'en diras des nouvelles. Maintenant, tu vas pouvoir donner un coup de main à ton dresseur. Ah ah, coup de main, je suis vraiment trop bon. Je suis vraiment content de faire ta connaissance. Je suis Motismému. Lol. Regarde maintenant que Motisman est dans le Pokédex, il peut te parler. J'ai eu le temps de trouver ses marques, mais je crois qu'il t'a là-bas. En quoi est-ce que Motisman va lui être utile? Bah, notre ami Pika vient de débarquer à Lola, tu vois. Il ne connaît pas encore bien le coin. Du coup, j'ai demandé à Motisman de guider. Bref, c'est cadeau provident. Merci. Tu vas voir, Motisman est super pratique. Il est cuit, tu ne risques pas de te perdre. Il suffit de toucher pour que la carte s'affiche. Je touche mais ça marche pas. Allô là. Il fait trop beau aujourd'hui avec la petite brise marine qui va bien et tout. Elle m'a motivé pour venir te voir. Hé. Waouh. C'est une mezzanine là-haut. Trop classe. C'est privé. Ouais, j'ai prêté ma mezzanine à Lily pour la dépanner.
Quand tu vois quelqu'un qui est dans la dèche, faut lui tendre la main. En tout cas, man, équate-toi bien avec Motis Madex. Et toi, Motis Man, prends bien soin de mon poteau Pika. Alors c'est ça, Motis Madex. J'imaginais pas que ce serait si mimi. C'est bon, vous êtes parés. Allez, la jeunesse en route. Ouais. En avant pour l'école du dresseur. Pour progresser, il faut pratiquer avant tout. Tu dois apprendre les bases. Pour ça, tu devrais aller à l'école du dresseur et après en route pour être lauréat du Tour des Îles. Ça te branche-t-il? Oh, moi, tant que je peux m'amuser, m'entraîner avec mon équipe, ça me va. Le Tour des Îles, c'est donc une manière de fraterniser avec le pot de gloire. Tout de même, Brandy Boot a adopté au premier coup d'œil. Motisma est bien décidé à t'aider et même Doudou a l'air de t'adorer. Les Pokémon semblent vraiment bien t'aimer. Tu dois avoir quelque chose de rassurant pour eux. Miss, je te confie Pika, ok? Tu lui serviras de guide jusqu'à ce qu'il puisse comment fonctionne. Motis Man. Motis Madex. Ça, je suis de Pokédex. C'est pas. Je sais. C'est privé, bah moi j'y vais. Oh, y'a un cornet. Oh! Oui, on joue sur la team. Oh. Bon. Allez, on se casse. C'est privé. Chut. Moi, j'ai droit. Parce que je suis noir. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. C'est un Pokémon pas loin de ta maison, n'est-ce pas? Eh bien. Tu sais, ce coup, soudainement, il fait sombre. Oh, fait peur. Piou. T'en fais pas du tout, toi, bien tu n'as rien à craindre. C'est juste une équipe lunaire, quelque chose à cacher la lune pendant un instant. Il y avait une équipe lunaire de prévu cette nuit. Je ne savais pas. Bon, pas grave. Je suis sûr que c'est un bon présage. Un bon présage. Quelque chose de bien va arriver. Bah ouais, tu connais pas l'histoire. Il y a hyper longtemps, les ténèbres ont recouvert la région. Dans le peuple d'Alola, les Pokémon ont utilisé une lumière pour les repousser. D'ailleurs, il paraît que c'est comme ça que le Tour des Îles est né, pour récupérer tous les cristaux Z. Ah, maintenant que tu as ton super Crystal Z, tu peux collectionner les cristaux Z. Ah, ça fait toujours plaisir de voir des petits jeunes se passionner pour les Pokémon. D'ailleurs, est-ce que je t'ai dit que j'ai étudié l'importance de dichrométrie en intérieur sur... C'est très intéressant, professeur, mais je crois que notre ami Pika a mieux à faire. En effet, bien Pika, en route pour son Pokémon. Moi aussi ça va, mais je peux pas te répondre. Wesh toi. Alola, émerveille-toi devant mes adorables Pokémon, c'est un ordre. Dorothée et Fiat veut se battre. T'as quoi comme Pokémon? Un Kabutops. Wow. La scie souris, ça ne marche pas? Ah, je sais pas, j'ai pas essayé. Attends. Ah, mais si, ça marche! Bon, attends, c'est encore plus. C'est mieux comme ça. Sérieux? Alors tu vas te calmer direct. Allez, ouais, bim. Bah du coup Bidouf est mort. Alors, en fait t'es un dresseur super balèze si j'avais su. Et ouais. Ah. Balbuto. Oh. Jamais vu. C'est bien.
Ah oui merde, c'est AD qui vient. Bon, soit si je peux me faire avoir une nouvelle attaque, ça peut être cool. Allez. Bon, on va se faire plus vite. Ah merde. Pourquoi j'ai le viseur? Eh ben... Bam. Bain de smog. Ok. Donc oui, il veut recueillir des types, des attaques poison quoi. Un réveil. Ok. Y'a rien là. On n'a pas l'air d'avoir grand chose. Encore ? Moi aussi. Alors pour ça on va faire, on va même faire que ça. Toc. Allez bien là toi. Oh. Philippe Fillette. C'est Philippe. What the fuck. Flamme bizarre. Oh putain, la flamme bizarre Johnny. Flamme bizarre Shiny. Bah rip. Oups, je n'aurais pas dû me précipiter. Allez, chier. On va faire une petite sauvegarde. Moi je vais te présenter un peu sans Pokémon. Est-ce que du coup les items dans la loterie sont aléatoires? Je sais pas. Comment sont baissés l'adresse-toi à l'infirmière de la réception et te soigner sur le champ. C'est vraiment pratique surtout pour moi qui ne supporte pas de voir un Pokémon souffrir. Le PC que tu vois là est utilisé pour stocker ou retirer des Pokémon. Ça, c'est la boutique Pokémon. Tu peux acheter de nombreux objets utiles lors de tes aventures. Tu achètes ça et d'y jeter un œil. Pour finir, il y a le café. Moi, j'adore venir ici pour boire du MME. Mais d'après ce que j'ai vu dans les guides touristiques, chaque centre Pokémon propose une carte différente. Chacun a sa spécialité en quelque sorte. De plus, on te propose non seulement des boissons et des friandises, mais aussi des conseils fort utiles pour ton tour des îles. Viens, mets-toi en route pour l'école de dresseur. Mais bon, ça ne plus pas de faire soigner tes Pokémon s'ils ne sont pas en forme.
Allez, go. Papa, papa. Toc. Ouais, je sais. Pour ça, je vais y aller. Alors, mauvais bouton. Bienvenue à la boutique pour une clé. Désirez-vous acheter orbe toxique, foulard, rhum poison, anti-pouvoir, rhum ténèbres, soin ball, scarinoïde. Attends, c'est gratos en plus. Vas-y, je prends les gemmes. Bon, du coup, je vais pouvoir acheter des Pokéballs, c'est déjà pas mal. Ouais, 30. C'est pas mal. Si jamais je trouve, j'aurai. Bienvenue, il est maintenant 22h jeune au café off. Ouais. Et vous prendre aujourd'hui. Allez, me. T'es, je reviens tout de suite. Tu l'as après la ligue, je crois. Ah, moi, bon. Merci pour être patient. Choisis votre LMME. Une seule lampée suffit à convertir n'importe qui au LMME. Cette boisson riche et nourrissante vous donnera une énergie décrémeuse. Le temps est le même pour tous. Il passe à la même vitesse pour quelqu'un qui joue dehors avec ses amis ou quelqu'un qui fait la sieste. Chacun décide comment il veut le dépenser. L'important, c'est d'y prendre plaisir. C'est votre première visite de la journée, non? Alors prenez, c'est pour vous. Aujourd'hui, c'est galette du Miss, une spécialité populaire de la capitale de Kalos. Faible. Oh putain, c'est vrai. J'ai oublié ce truc. Le poké détente. Voilà, il est quoi ça? Mais que se passe-t-il? Ah, le taurus. Rien que le bras taurus bloque le passage. Heureusement, nous nous rendons juste à l'école de Ressort. Ne nous occupons pas de lui. T'es nul. Ah, école de Ressort. Eh, Pika, on dirait que je suis arrivé en premier. Enfin bref, bienvenue à l'école de Ressort, le passage obligé de tout Ressort qui se respecte. Ah, professeur Eforf, c'est une nouvelle élève dont vous m'aviez parlé. Ouais, faut qu'il apprenne le B.A.B.A. Et pour ça, quoi de mieux que d'ouvrir un bal avec 4 dresseurs. Pika, pour ta première leçon, tu devras avoir 4 dresseurs de l'école. Bah, je pense qu'on s'arrêtera dès qu'on aura fait ça. Ça fera une bonne expérience pour toi, tes Pokémon. D'ailleurs, en parlant d'expérience, vous recevez le Mythic XP. Wow. Avec tes amusements et Pokémon qui n'ont pas participé en quoi gagneront des points d'XP. Les adversaires ne sont pas tous dans la cour de l'école, certains s'attendent à l'intérieur. Oh, déjà? Bah, il est déjà 23h. Et tant que je me fasse ces dresseurs, on a encore le temps, hein. Il y a peut-être 20 minutes. Profitons pour faire un tour dans les salles, en tout cas, c'est papoter un peu. Regarde, je ferai un petit tour dans les armes en bas. Donc, ok, c'est papoter un peu, qui sait, tu pourras prendre des choses. Tout est clair, hein. Alors en piste. Elle n'en a pas l'air, Franchine, mais ses méthodes d'enseignement sont tip-top. C'est même elle qui a formé le capitaine de l'île. Bon allez, un dernier conseil pour la route, je te laisse tranquille. Après avoir affronté un Pokémon, tu peux voir lors des combats suivants quel type de capacités sont super efficaces sur lui. Alors si tu veux te la jouer cool plus tard, je te conseille d'enchaîner les combats. Puis tu peux faire un tour dans les hautes serres pour croiser un max de Pokémon, c'est toujours bon d'accumuler plein d'expérience.
Yay. Un potion. Allez, bien à toi. Si mon manchat chéri avait un coup de mou en combat, je lui donne une potion. Voilà, Manzai. Logan, le arène de Kroto. Quoi? What? Quoi faire? Putain, c'est génial, le random. Alors. Allez, on va faire un petit non-slam. Oh non. Oh. Aïe. Putain, ça commence bien. Putain, j'aurais dû me rajouter en mode. Oh, l'autre est... Calme-toi. Oh la casse-couille. Bonjour Michel, fight. Putain. Allez, crève. Niveau 10. Lumino canon. Bon. En vrai, ça me fait une nouvelle attaque de type acier. En vrai, ça peut être bien de garder Fauchage si je peux capturer des Pokémon. Je pense qu'on va garder ce qu'on a pour l'instant. La vache. On va aller se soigner vite fait. On fasse un peu quand même XP notre bidou. Ça serait bien de le faire évoluer. Ouais, c'est parti. Putain, je stresse pour mon random du coup, vu que moi c'est en Nuzlocke. Ah ah. Vous pensez que c'est une référence à Under Simulator? Je pense pas. Ça peut être très drôle. Yes. Oh, les combats doubles, ça va être drôle. Parce que c'est moi le plus balèze. Ok.
fait. Je m'en souviens plus. Ouais, il faut un parfait ciseau. Entre type plante et type feu qui gagne. Type feu. Ouais. Bah oui, c'est ça, tu en sais des choses. Juste. Entre type feu et type eau qui gagne. Le type plante. Vas-y. Type feu et type plante qui gagne. Le type feu. Putain, il a fait la même. T'es prête? Nanana. Ah. Entre le type eau et type feu qui gagne. Le type eau. Bon. On sait jouer à Pokémon, c'est bien, c'est bien. Oh! On ira capturer un Pokémon ici après. On va se faire rien, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà. Touk! Wesh toi. Pourquoi tu te mets toujours en mesure de voir ce qu'il y a? Tu empêches tout le monde de passer. Tu vas donner ça à un petit Pokémon qui est de bonne griffe ou non? Il saura l'utiliser. À vive griffe. Wow. Merde. Ta tête. Wesh. Nanana. Pokémon. Tiens, une peu. Ah, il a le point. Donc elle a un crisacier. Ah non, il est milieu groom. Pyronil. Oh. Ça va être très drôle. Putain, elle fait magique. Toile. Oh non, c'est méchant. Il devrait passer niveau 10, je pense. Il est bien. Bien payé, c'est ça. La démonte niveau 8. Putain, crisacier, une baie pour toi. Il est beau ton crisacier. Merci. Bon, allez, on va lui donner une petite potion. Il est encore là, lui. Ah. Attends, ça se trouve, c'est lui, combo. Ah non. Bon, bah, on va aller se faire celui qui est dehors. Ta-ta-ta-ta-ta. Alors, c'est dans votre cerveau dernier. Bah oui, mais ça fait pas 4.
Mais vas-y, ça va faire un peu d'XP. Ouais, calme-toi, toi. Oh. Ouais, mais il a dit qu'il fallait en combattre 4 avant de combattre. À moins que tu comptes dans les 4. Cool. Oh. Attends, l'antidote c'est pour poison. Partout encaisser la meilleure attaque de mon tas de mort. Gaz toxique dans sa face. Oh, tas de mort. C'est une blague. Et un mec de la fondation Laser. Il est encore à l'école. On va faire onde vide. Oh putain, il y a des restes. Carton rouge. T'aurais jamais dû faire ça. Putain, il a changé son tas de membres. Oh le bâtard. Mon tas de morts a perdu. Mais arrête, c'est pas un tas de morts. Mais... Oh, un dodo là. L'autre, il fait bon genre. Pauvre fou. Comment t'es là? Mais je me souviens même plus qui c'est. Mais c'est dodo alors. Quand même. Alors tu vas te calmer tout de suite. Et aïe. Ils
Michel monte au niveau 11. Adé monte au niveau 10. Bon, on va voir si c'est lui. Je vais soigner. Alors, la voici. Bon. Mon abo, il a un talent de malade. Lui et moi, on est imbattable. Attention, il a un abo. Guilain le sportif. D'accord. Corbus. T'as vu, il a rajeuni. Il a gagné une batte. Il est méchant. En vrai. Allez, bien là. C'est mort. C'est même baissé mon attaque. Ton attaque ne suffit pas à gagner. T'es vraiment coriace. Ah bah écoute, tu as même pas fait, donc bon. Comme t'as pu le voir, intimidation diminue la stat d'attaque de l'ennemi. Bien connaître les talents de ces Pokémon, c'est le premier pas vers la victoire. Bon, ça n'a pas marché pour moi ce coup-ci, mais tant pis. Je vais reconnaître ta supériorité. Tiens, j'ai un cadeau rien pour toi, prends cette CT. Wow. Faut quand même que je te dise quelque chose à propos des CT. Règle numéro 1. Utilise cette CT, une CT sur un Pokémon pour lui enseigner instantanément la capacité correspondante, à condition bien sûr qu'il puisse l'apprendre. Règle numéro 2. Tu peux utiliser une CT autant de fois que tu souhaites. Elle ne disparaîtra jamais. Alors, c'est-il pas un super cadeau? Oh, c'est la cloche de l'école. Votre attention, s'il vous plaît. Pika est attendu au premier étage. Je le répète. Pika est attendu au premier étage. Donc, comment se fait-il que tu sois convoqué comme ça? Tu as fait une bêtise? Oui, j'ai fait une bêtise. J'ai tué un dodo, voilà. Attends, t'es sérieux, là? Elle va me taper. Elle va me taper. On va se soigner. Il fait une petite bêtise, Pika. Il est pas gentil. Donc. Non mais cette équipe. Alors, au premier étage. C'est toi? Pika, bravo, franchement, je n'en reviens pas. Tu as battu tous mes élèves. Je ne peux pas rester les bras ballants. Je dois tester ton niveau personnellement. Accorde-moi un combat. Allez. Bien. Mais tu sais, Euphor m'a parlé de toi. Je vais donc choisir un Pokémon qui a l'avantage face à ton Brindibou. LOL. Elodie et le... Attends, quoi, ils sont deux? Quoi? Quoi? Il est shiny. Quoi? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
sans l'être. Mais oui, c'est n'importe quoi. Aïe. Bon, il a baissé sa défense, donc ça c'est cool. Ah non, il va me tuer. Non. Bon bah il est Michel bien. Allez go. J'aurais dû faire ça des dupes. Ils ont des Pokémon shiny, la chance. Quel phare, j'en reviens pas. Tu ne veux pas venir enseigner ici? Mais non, je rigole, tiens, pour la peine c'est encore mieux qu'une image. Mais je voulais des images, moi. Encore plus facile d'attraper des Pokémon qu'avec une Pokéball. Un dresseur qui connaît son équipe à fond, ça va être un combat à moitié gagné. T'en penses quoi? Oh, Altéo! 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 C'est une petite échelle frissante, je suis le capitaine Altéo. Observez tes combats et je vais dire que tu t'es débrouillé bien pour un débutant. Ce petit prodige, c'est Pika, il vient de Kanto. Accroche-toi à tes bigoudis parce qu'il ira loin vu comment il gère. Oui, Altéo, je vois, bienvenue alors. Puisque tu gères autant que ça, viens donc tenter mon épreuve. Il faut relever l'épreuve du capitaine de l'île avant de pouvoir défier Doyen. L'épreuve du grand capitaine Altéo se passe dans la grotte verdoyante. Mais un conseil tout de même, avant de venir me voir, constitue-toi une bonne équipe. Ce n'est pas assez le terme qui manque à... Eka, tu n'auras qu'à te baisser pour glaner quelques Pokémon. J'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir. Yay. Ah, j'ai signalé que le taureau se bloquait encore la route en bas. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ce taureau, c'est une vraie star, mais... Pika, je crois que nous n'avons plus rien à t'apprendre. Bon vent. Putain, on va à l'école pour même pas une heure de cours. C'est bien ça. On a fini. Bon, moi, on aurait dû avoir ça, ouais. Le truc, c'est bien de s'entendre avec ces Pokémon. Aime-les et ils te le rendront. Et surtout, fais attention à ceux qui souffrent d'une altération de statut. Bonne chance pour le tour des îles. Amuse-toi bien si tu trouves des baies, donne-les à tes Pokémon. Mets en pratique tout ce que tu as appris pour accomplir ton tour des îles et profite bien de cette belle aventure. Bonne chance, futur Lauréat. Et surtout, n'oublie pas les CT, rends ton équipe plus forte. Montre-leur qui est le boss. Quelle belle démonstration de travail d'équipe et de synchronisation avec Knotor. Il faudrait se mettre d'accord sur Brandibou et Knotor. Si tu veux, je peux te servir de guide dans les Kaika chez moi. On va faire une petite... Enfin, je vais me soigner. Pika, par ici. Non, je vais me soigner. T'es vraiment bien battu à l'école. C'est impressionnant de voir une telle symbiose entre tes Pokémon et toi. Quand on se regarde, on voit que tu es prêt à tout pour le bonheur de tes Pokémon. Je comprends mieux ce qui t'a donné la force de sauver Doudou lors de notre rencontre. Oh, j'avais oublié le Tauros. Oh oh oh, mais qui voilà? Ma petite Lily et mon petit Pika. Ce gros bêta de Tauros vous fait peur? Ne vous en faites pas, il entre de bonnes mains. Tu veux peut-être le caresser, Pika? N'hésite pas tant qu'il est de bon poil. Ouais, je veux caresser. Caresser, toucher, attraper.
Ah, ça n'a pas vraiment l'air de lui plaire. Je lui ai touché la queue. Rots. Ah, il aime ça ce gros filou. Les Pokémon sont comme nous. Ils aiment qu'on prenne soin d'eux. Ça leur fait du bien. Pardon. Les enfants, vous allez partir à l'aventure découvrir des lieux, des gens. Formidable et des Pokémon uniques. Toutes ces rencontres vont vous changer la vie. Sachez sans en profiter. Les doyens, c'est vraiment trop bien. Ils se font obéir sans même en avoir besoin de le combattre. Je veux dire, j'aime bien Tauros, mais j'aurais trop peur de lui grimper sur le dos. Et dites, vous allez où? Quand Pika ne croyait pas avec Kaz, je lui ai proposé de lui servir de guide. Ça, c'est vraiment chic de ta part, il était vraiment super sympa. J'oublie tout le temps que tu viens de débarquer à Alola, Pika. Je peux vous accompagner? Faut trop que je m'achète un truc à manger, j'ai trop faim. Avec joie, allons-y tous ensemble. Trop bien, c'est comme une mini-aventure, en avant toute. Ouais. Quelle énergie ce Tilly. Allons-y Pika, rendez-nous à Eka Eka, la plus grande ville d'Alola. Yay. Oh, il y a déjà. Ah, mais c'est là qu'il y a le... Il y a le tri en plus. Bon, on va aller voir. Et après, on ira vite fait dans les hautes herbes et puis on s'arrêtera là. Trop bien, la mer. Bonjour. Et toi, là-bas? À voir ta tête, tu m'as l'air d'être de... tu m'as pas l'air d'être du coin, viens, je vais t'apprendre un truc important. Je vais t'enseigner le salut traditionnel d'Alola, répète après moi. Alola, le mieux pour s'intégrer c'est d'utiliser les salutations locales. Ok. Je sais plus si c'est là ou si c'est à côté. Ok, c'est là-bas. Ouais, Pika, j'ai reconnu le bruit de tes pas. Ouais, d'accord. Ok, Pika, c'est trop bien, non? Là, c'est vraiment extra. Oh. Suis-moi, j'ai une idée géniale. Dites, madame, c'est vrai que vous donnez un cadeau aux gens qui ont un mutisme adex? Ma foi, oui. Vous êtes très bien renseigné. Peu de personnes ont la chance de posséder un mutisme adex, mais nous avons effectivement une fonctionnalité supplémentaire disponible pour ces heureux utilisateurs, le Pokéscope. Oh merde. Trop bien. T'entends ça, Pika? Un Pokéstop. Pokéscope, trop stylé. Mais ça sert à quoi un Pokéscope? Le Pokéscope est un outil permettant de prendre des photos. Et vous ne pas partout, mais le mutisme sera vous indiquer les zones où vous pouvez l'utiliser. Tenez, je vais vous lire l'ascension, nanana, voilà, voilà. C'est un outil aussi important que tes Pokémon. Ah mais attends, il m'a découvert un Motisma, du coup il peut faire partie de ton équipe, non? Ouais, c'est compliqué quand même, bref, je pars devant la puce. Il y a toutes ces petites boules de Pokémon que vous pouvez capturer avec le Pokéscope. C'était pas ici? Putain, il est encore là, lui. Cathy, comment ça s'est passé à l'office de tourisme? Nickel, on a amélioré le mutisme adex, maintenant on peut prendre des photos. Oh vraiment, ce petit mutisme est formidable. Ouais, qu'est-ce que... Ah ouais, c'était quoi ça? Bon, on s'en fiche, Pika. Faut que je te fasse découvrir un truc super. Je crois que Motisma a très envie de prendre des photos et essaie d'attirer ton attention. Quant à moi, moi fois, je vais aller faire un peu de vitrine. Votre sœur, c'est bien un bel appareil que tu as là. Mais lâchez-moi. Lâchez-moi. Je ne sais pas si ça veut dire nanana. Non, je m'en fous. Ferme-la.
Ferme-la. Oh, Pikachu. Je sais pas comment on zoom. Y'a plus de film. Ouais. Oui, on s'en fout, c'est les mêmes. De toute façon, Pika est le beau partout. Ouais. Dégage. Ouais, c'est bien. Je m'en fous de tes photos. Ouais. Merde, elle est encore là. Elle. Ah, c'est ça les stickers jaunes que tu me parlais. Salut, là, je m'en rappelle maintenant. C'est piqué. Je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que c'est toi qui choisis tes vêtements? Bien sûr. Je suppose que la plupart des gens, je sais jamais leur garde-robe. En part, j'ai toujours porté ce que ma mère me portait. Du coup, je ne sais pas très quel genre de vêtements. Ah, au fait, Pika, ils m'ont offert ça à la boutique de vêtements. Je n'ai rien acheté. J'ai quand même eu droit à ce cadeau, comme j'étais apparemment à la 900 de la boutique. Vu que j'ai déjà la même chez moi, je me suis dit que ça serait plus utile. Ah ouais, je me rappelle. Malheureusement. Vous savez quoi, je pense qu'on va aller dans les herbes juste devant et qu'on ira au centre Pokémon. On sauvegardera au centre Pokémon. Comme ça, on gardera ce qu'il y a dans la boutique. Alors. On peut pas rentrer, hein. Je croyais que c'était ici qu'on avait le truc de la loterie. Ah non, voilà, c'est... Alors... Pas de chance au cachet mieux. Ouais, d'accord. Carrément. Ah, on sera pas aujourd'hui. On va aller un peu dans les arbres qui sont là. Hop. On va se faire 2-3 petits Pokémon sauvages. Capture un verre.
Putain, mais... Arceus, quoi. C'est n'importe quoi. Attends, mais c'est à qui ça déjà, Requiem? C'est une attaque signature aussi, je crois. C'est pas signature. Mais attends, est-ce que quand Requiem tombe à zéro, lui aussi il meurt? Ou il y a que moi qui meurs? Tout le monde meurt. Ah. Ah bah... Non. Ah bah ça y fait monter. Mais wesh. On va se soigner. Et comme je dis, on va rester un peu dans les arbres quand même. Oh non. Salut petite tête, c'est moi le capitaine Théo. Comme tu peux le voir, je suis en train d'embellir le paysage avec du superbe emblème des dominants. Et quoi? Il forme un petit parcours à suivre pour que les participants autour des îles n'aillent pas se perdre en chemin. Heureusement que je suis là pour aider les petits nouveaux comme toi. C'est pour rien de Team Fuckle pour me mettre des bâtons dans les roues en décollant mes jolis emblèmes. Ces voyous ont vraiment du temps à perdre. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'ils étaient en train de faire du grabuge dans le coin. Je ferais bien d'y aller. Ce piquet amuse-toi bien à collectionner les emblèmes des dominants. On ira voir ce qu'ils vendent après dans le shop. Je vais retourner un petit peu là. On ira au shop. Et puis on sauvegardera et puis ça sera bien. Alors. Faux sardines. Ah bien, on va avoir une nouvelle attaque au bout. Ouais, c'est kiff kiff. Enfin, il n'y a pas de nouvelle attaque, lui.
joue à Caropod. Genre il y a Shop Venin. Ouais, bien. La démo niveau 13. Coquillam. Oh putain, sérieux? En soi, je vais enlever ça. Ouais, on va enlever ça. Ouais, il y a un dernier. Petit Pokémon sauvage. Alors, pour la griffe. Ok. C'est-à-dire que je peux tomber sur Amama. Oh my god. Oh my god. Allez, encore un coup. Oh non. Ok, ça va. Je vais aller récupérer le UA, hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a à vendre dans le petit shop ici? Acheter Poké Poupée. Bonbon rage, flap toxique, maxi pépite, bouton fu, c'est quoi ça? Si on peut pouvoir remplacer par un nom de type. Veste de combat, ralenti queue, mouchoir choix. Ok. Ceinture et gab. Je peux pas trop, non. Ah si, mais je sais pas si ça sert à quelque chose, en fait. Faut faire ça avec plus d'abos. Un de fois, ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils vont eu? Orbe, foulard jaune, rhum poison. Oh, mais c'est comme l'autre. Déçu. Y'a pas quelqu'un qui change un Pokémon? Que puis-je faire pour vous? Ok.
Non. Un petit tuyau. J'ai appris un truc trop bien aujourd'hui, c'est un Pokémon. Non. Qu'est-ce que je fais là, moi? Je suis l'effaceur de capacité. Oh! J'avais oublié. On va sauvegarder. Mesure 27. Ok. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter. Putain, je deviens addict à City Skyline. Oh, merde. J'y vais, salut, mon live. Bah, de toute façon, c'est la fin du live. Donc, j'espère que cela vous aura plu. Bah, il finit là. Ouais, je finis. Et c'est déjà plus rapide de compléter Pokédex. C'est sympa. Ok, tente, ouais. Ok. Bref. Ouais. Bah, plus. J'espère que cela vous aura plu. Puis on se retrouve peut-être. Peut-être mercredi soir pour la suite du Let's Play. Que je suis chaud pour continuer. Bref.